Allons cueillir des pommes. Tout le monde collabore. Comme c'est amusant. On aurait dû s'en douter. Pendant ce temps, le méchant Dr Spooky les espionne. Et on dirait qu'il a une idée. Tiens, à quoi pense-t-il? Est-ce une araignée? Oh, attention, l'araignée! Qu'est-ce que c'est que ces gouttes? L'araignée est en train de grandir. Oh non! Le Dr Spooky a créé une araignée méchante et vorace, à son image. Mais revenons à la cueillette. Pourquoi y a-t-il tellement de vent tout à coup? Le Dr Spooky est là! Il lâche les Spookers. Qu'est-ce qu'ils font? C'était donc ça qu'il préparait. Il lâche tout un tas d'araignées voraces sur notre champ. Oh non! Les araignées vont manger toutes les pommes. Attention, Kit! Monkey a très peur des araignées. Allez, grand-mère Granny, on peut sûrement faire quelque chose. Méchante araignée. Que se passe-t-il, Kit? Une invasion d'arachnides. Courez. Il est temps de faire une potion magique. Allez, grand-mère Granny, aide-nous à résoudre ce problème. Un peu d'essence de coriandre, une pincée de glande il y a 1000 ans, un filet de jus d'orange douce et l'ingrédient secret, énormément d'amour. Quelques gouttes de potion et...
araignée est redevenue gentille. Docteur Spooky, tu es vraiment très méchant. Arrête de nous envoyer tes spookers. Grand-mère Granny est là. Elle a jeté sa potion dans le réservoir. Tout le monde va collaborer pour que le plan soit un succès. Dépêche-toi, Groovy. Mince, le tracteur est cassé. Allez les gars, vous devez réfléchir à un autre plan. Les spookers n'arrêtent pas de lâcher des araignées. Au laboratoire. Super transformation. Super force. Monkey a réussi. Les araignées redeviennent gentilles. Tout est redevenu normal dans le champ. Et ils ont donné une bonne leçon aux spookers. À la prochaine aventure. Le docteur Spooky fait un pique-nique. Burk, il va manger un hamburger plein de gras. Oups, plus maintenant, on dirait. Il est bon, ce milkshake? Non, non plus. Vous croyez qu'il finira par manger cette glace? Même pas en rêve. Et donc, le docteur Spooky n'aime pas du tout la nature. Et la nature n'aime pas du tout le docteur Spooky. Tiens, pourquoi il appelle son robot? Une minute. Le docteur Spooky arrache tous les arbres de la forêt avec son robot. Oui, Granny, tu as bien vu. Le docteur Spooky fait encore des siens. Allez, équipe Super Zoo, il faut l'arrêter. Kit, montre-nous la solution sur ton ordinateur. Ah ah, l'objectif de Cathy et Monkey, c'est d'appuyer sur ce bouton pour contrôler le robot. Aux capsules de transformation. Voilà le docteur Spooky. Attention! Non! Comment? Une minute? Génial! Monkey a rattrapé les arbres. Maintenant, on va protéger l'environnement. Bien visé, Cathy. Au revoir, Docteur Spooky. Génial, Cathy. Tu es la meilleure. Pas encore, Docteur Spooky. Voilà le bouton. Ne le laissez pas s'échapper. Ils t'ont eu. Go.
Allez, Cathy, il est temps de redonner vie à cette forêt. Il faut reboiser. Debout, monsieur le robot. Il faut réparer tout ce que le docteur Spooky a détruit. Arbre après arbre, la forêt redevient ce qu'elle était. Et plus aucun humain malfaisant ne lui fera de mal. Avec un peu de tendresse, tout redevient comme avant. Et l'équipe Super Zoo a encore gagné. La nature est sage. C'est pour ça qu'il faut prendre soin d'elle. Ah ah! Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Un jour spécial pour les amoureux. Pas pour le docteur Spooky, en tout cas. Pas une lettre, pas une carte postale. Pas un seul petit mot. Pauvre docteur. Mais que se passe-t-il au sanctuaire de l'équipe Super Wow! Les boîtes aux lettres sont toutes pleines. Oh non, quand le docteur Spooky a une idée, ça ne me dit rien qui vaille. Il montre Cupidon du doigt, ça sent le complot. Oh oh! Le docteur Spooky va dans son laboratoire. Quel beau cœur! C'est si beau, l'amour, c'est... Docteur Spooky, arrête de l'écraser comme ça! Waouh! Effectivement, ce garçon déteste vraiment l'amour. C'est un poison diabolique! Et maintenant... Il a multiplié les flèches. Et il a appelé l'un de ses spookers. Que se passe-t-il derrière ce rideau? Tiens, tiens, regardez ce que nous avons là. C'est un spooker Cupidon. Regardez-moi cette perruque. C'était donc ça le plan. Lancer des flèches de l'inimitié. Et voilà, le spooker est parti pour en finir avec la paix du sanctuaire. Il vise et... Touché. Maintenant, Monkey est en colère et ne veut pas renvoyer la balle à Cathy. La pauvre Cathy ne comprend rien. Et maintenant, elle est en colère aussi. Non, les amis, ne vous battez pas. Ce docteur Spooky, il est vraiment méchant et envieux. Bien plus que vous ne le pensez. Et c'est reparti. Sa prochaine cible, c'est Kit. Il a l'air très en colère. Et maintenant, c'est un raccoon. Attention, raton laveur vorace. Quel bazar. Et Spooky s'en réjouit. Quelle méchanceté. Granny, vite, il faut que tu vois ça. Incroyable, n'est-ce pas? Thank you.
Attention, grand-mère Granny, le Spooker vise très bien. Flèche attrapée. Allons à la cuisine pour l'examiner. Tiens, tiens, il y a des particules du mal dedans. Mais avec la recette de grand-mère, elles vont sûrement disparaître. Un pot d'essence de coriandre. Une pincée de gland d'il y a 1000 ans. Un filet de jus d'orange douce. Et l'ingrédient secret, énormément d'amour. On agite bien avec la baguette magique. Maintenant, il ne nous manque plus qu'un costume de fée. La magie de grand-mère les rend de nouveau amis. J'adore les câlins. C'est agréable. Tu vas encore perdre, Docteur Spooky. Ça suffit, Monkey et Cathy. Arrêtez de vous disputer. C'est bien mieux comme ça. Cette amitié est indestructible. On ne peut rien contre ta magie, grand-mère. Amis de Super Zoo, le pouvoir et l'amour sont à nous. Quoi? Il y a encore des flèches? Mais Cathy l'a bloqué. Et maintenant, le Spooker prend ses jambes à son cou. Mais grand-mère l'a touché avec sa potion d'amour. Docteur Spooky, on a une surprise pour toi. Ton Spooker n'a pas pu résister. Super attaque d'amour. Allez, Docteur Spooky, abandonne-toi à ton charmant Spooker.